Hello famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Moi en tout cas, je pète la forme, Dieu fait grâce, je vais très bien. Aujourd'hui, on parle de Ramba Junior, vous avez bien constaté ça. Dans le titre de la vidéo, voilà, et puis j'ai aussi à parler aux fans des Bordeaux, parce que c'est très important. Voilà, le 20 décembre, c'est pas loin, et les votes continuent au niveau d'Africa Talent, donc il faut qu'on en parle. Et je vais jamais, jamais me fatiguer de parler, jusqu'à ce que vous exécutez tout ce que je vous dis. Voilà, toutes les recommandations là, vous devez les exécuter pour votre artiste. Voilà, Ramba Dijo, dans une polémique aussi, il faut qu'on en parle. Voilà, faut peser le pour et le contre, et trouver le juste milieu pour essayer d'apaiser d'abord ces personnes frustrées, choquées là, voilà. Et puis on va dire, faire une très bonne vidéo quoi, on va juste prendre après le générique, ok? Asseyez-vous et abonnez-vous. À tout à l'heure, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Des progrès, progrès à la base. Je possède, à des firmes. Voilà, les gars, nous revoilà. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai à vous passer une information. Peut-être qui va vous plaire. Parce que c'est là, je vais voir si toutes ces nombreuses personnes qui me suivent ici sur YouTube sont vraiment prête, prête à 100% pour le petit frère, pour le frère et ami Eritor. Bientôt, Eritor va mettre en ligne son site de vente en ligne. Voilà. Donc, soyez prêts. C'est l'information seulement que je peux vous donner pour le moment. Je vais mettre en place un site de vente en ligne où on va tout vendre. Quand je dis tout, tout vendre. Dans la transparence et dans la légalité. On va essayer d'innover un peu. Voilà. Je fais déjà un big up à Jumia. Je fais un big up à Afrique. Afrique Discount, ouais, je crois. En tout cas, je fais un big up à tous ces devanciers-là. Mais moi, je vais apporter du nouveau. Voilà. Ce que vous ne vendez pas chez vous là-bas, là. Moi, je vais vendre ça chez moi ici. Donc, restez connectés parce que c'est un gros projet. Et j'ai besoin de vous. J'ai vraiment, vraiment besoin de vous pour ce projet-là. Et ne vous inquiétez pas, que tu sois à l'extérieur ou en Côte d'Ivoire, tu auras forcément un produit qui va t'intéresser. J'en suis d'abord la garantie. Donc, je vais vous demander de vous tenir prêt parce que c'est un lourd, 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 lourd projet. Le site est déjà là, mais je n'ai pas encore commencé à faire la promotion. Mais je vous informe. Donc, d'ici une semaine, je vais mettre le lien du site en activité et vous allez visiter le site. Vous allez voir combien de fois mon site internet, il est pro. Parce que j'aime bien faire les choses. Voilà. Donc, c'est l'information que je tenais à vous passer. Restez connectés et j'ai vraiment besoin de votre soutien. Montrez-moi que vous êtes vraiment prêts pour moi. Voilà. Vous aimez mes vidéos, vous aimez mes chroniques, vous aimez mes analyses, vous aimez ma manière de parler. Et cette fois-ci, c'est dans du business, c'est dans l'entrepreneuriat que je vais me lancer. Et j'ai besoin de votre soutien. Voilà. Donc, restez branchés. Le site de vente en ligne d'Eritor bientôt. OK. Ramba Junior, Ramba Junior, Ramba Junior. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas content de ces images-là. Ça, pour être franc, il faut que je vous le dise. Bon, ce qu'on va faire, je vais vous montrer rapidement les images et puis on va revenir après, ok? Regardez les images et puis on revient après, les amis. Voilà, c'est un peu ça. Ce sont ces images-là, apparemment, qui font polémique sur la toile. Les gens sont en train d'insulter le petit en commentaire. Les gens sont en train de traiter tous les noms. Franchement, moi-même, je ne vais pas me permettre de l'insulter, mais je ne suis pas content de ce genre de clichés-là pour son âge. Voilà. Mais en même temps, il y a toujours un en même temps. Voilà. Moi, je dis toujours, dans toute chose, il y a forcément un mais. La responsabilité de ce genre de photo du petit-là vient de qui? De lui ou bien de ceux qui l'ont publié? Parce que le truc, c'est quoi? Moi, perso, bon. C'est pas aussi grave que ça, mais je me dis, pour son âge, c'est quelqu'un qu'on doit protéger, bien que c'est une star, mais il y a certaines choses qu'on ne doit pas lui permettre. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas lui montrer. Voilà, il doit avoir beaucoup de restrictions autour de lui jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'âge majeur. Vous comprenez un peu? De vous à moi, vous voyez votre petit-fils de star dans ce genre de posture-là, en train de faire des photos, on dira, un peu coquine avec peut-être une jeune fille ou peut-être plus âgée qu'elle, plus âgée que lui. Et vous voyez, les photos font le tour de la toile. Franchement, à première vue, vous ne serez pas content. Voilà. Mais en même temps, je dénonce aussi toutes ces personnes-là qui sont en train de juger ce petit-là. Voilà. Il y a un truc que j'ai remarqué chez nous, Africains. On aime bien applaudir toutes les bêtises de l'extérieur. Mais quand il y a des personnes qui essaient de se démarquer, tant bien que mal, dans un domaine d'activité,
on trouve toujours des prétextes pour les vilipender, pour les insulter, pour les juger, pour les rabrouer, pour... C'est... On ne cherche jamais à les encourager, on cherche toujours, toujours, toujours à les fustiger, à les descendre, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Je ne sais même pas dans quelle optique. Moi, je dis, c'est vrai que je n'apprécie pas ces images-là pour son âge. C'est seulement pour son âge que je me plains. Mais cela ne me donne pas le droit d'insulter ce petit-là, parce qu'il est quand même encadré. Même s'il n'est pas encadré par des personnes très responsables ou par des personnes négligentes, bon, ça ne vous donne pas le droit de le juger ou de l'insulter. Voilà. Ça reste que des photos où on voit un petit garçon qui est un peu rapproché d'une, on va dire, d'un genre opposé au sien, qui fait une chose, des photos. Dieu merci, il n'y a pas eu du bouche à bouche. Donc j'imagine bien s'il y avait eu du bouche à bouche. Ce serait pire que ce qu'on voit en commentaire actuellement. Il faut souvent arrêter ça. Il y en a qui ont fait pire que ça ici. On voit des sextes partout, par là. Et ça ne vous dérange pas. Parce que le petit, c'est vrai, pour son âge, faire des photos où il est en train de faire des petits câlins à une fille. Polémique, ça vous dérange. C'est vrai, ça peut vous déranger, mais ça ne vous donne pas le droit de l'insulter. Voilà, il faut arrêter ça un peu. Parce que dans d'autres cieux, aux États-Unis, vous applaudissez, vous dites, oh, ce petit, il est vraiment, vraiment éveillé. C'est vraiment une superstar, c'est ma star. Mais quand ça vient de vous, quand ça vient de chez nous, vous trouvez toujours des propos, des prétextes pour critiquer cela. Ramba Junior, moi, ce que je peux dire, c'est que la faute n'est pas au petit. Voilà. Donc souvent, quand vous commentez, essayez de raisonner dans votre commentaire. Voilà, c'est vrai que le petit, à ce qu'il paraît, est un élément très incontrôlable, mais en même temps, ça reste un petit, ça reste un enfant. Voilà. Et un enfant, ça se garde, ça se surveille par ses grands frères, par ces personnes-là qui sont autour de lui. Si un laissé aller autour de lui, lui, c'est qu'un enfant. Lui, c'est ce qu'il a envie de faire dans sa tête, là. C'est ce qui vient, qu'il fera. Donc, c'est où le débat, en fait, pour pouvoir insulter le petit, pour pouvoir créer la polémique, une polémique qui n'a même pas lieu d'être, en fait. Voilà. C'est que des photos. C'est que des photos. Le petit n'est pas nu, la fille n'est pas nue. C'est juste des selfies qu'ils ont pris où le petit est en train de faire des embrassades avec cette dernière. Rien de méchant. Il n'y a même pas eu de bouche à bouche. Voilà. C'est juste pour déconner, en fait. C'est juste pour déconner. Quand tu regardes bien la photo, tu cherches juste pour déconner. Et ce que vous ne savez pas, pour ceux qui ne connaissent pas le petit Ramba Junior, c'est un petit à polémique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est. C'est un provoqueur. Voilà. Il aime bien provoquer. Voilà. Lui, c'est comme ça. C'est son style à lui. Même dans ses prestations, il vous fait des choses souvent qui choquent certaines personnes. Mais c'est comme ça il est, c'est son feeling à lui, c'est son profil. Donc, à savoir si il est comme ça chez lui à la maison avec ses parents, ça c'est autre chose. Mais je peux dire pour sa vie de star, on peut lui concéder ça. Parce que quand tu es star, tu viens avec un profil, tu viens avec une manière de faire. Et sa manière de faire à lui, on va dire c'est de choquer pour plaire. Voilà, le petit, il le dit bien. En tout cas, dans ses textes, dans ses vidéos et tout ça, c'est quelqu'un qui est un peu, on va dire, pas arrogant, mais... C'est quelqu'un qui a vraiment la tchat, c'est quelqu'un qui aime se faire voir, c'est quelqu'un qui aime vraiment friber, c'est quelqu'un, franchement, à un certain âge, qui va vraiment faire parler de lui. Voilà, parce que c'est un gros bavard, et puis il sait ce qu'il dit en même temps. Voilà. Il a compris un peu que le showbiz ivoirien a besoin de ça. Et s'il a tous ses followers-là, si ses différents comptes, réseaux sociaux, c'est parce que ces personnes-là aiment bien ce côté-là. Voilà, c'est ce côté un peu, on va dire, pas trop poli du petit-là, que les gens kiffent en fait. Voilà, c'est un dégameur, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il a envie de faire. Voilà, il vit sa petite vie de star, quoi. Mais n'allez pas toujours prendre votre temps pour juger tout et n'importe quoi. Voilà, on n'a pas besoin de ça, en fait. Voilà. Essayez souvent d'encourager et de conseiller en toute politesse. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Maintenant, on va parler aux abonnés de Bordeaux. On revient juste après. Fans de Bordeaux, vous dormez où bien? Hier, je faisais une vidéo pour vous parler de la nomination de Bordeaux. Et dites-moi ce que Ramsès Tikayar, dans la catégorie Best Collaboration de... Africa Talent, Dieu merci, il est en deuxième position maintenant. Mais on sait que les fans de Bordeaux, c'est des gars qui n'aiment pas footer. Les fans de Bordeaux, c'est des gars qui se battent toujours pour leur artiste. Donc, si je comprends bien, vous là, à pas être gamé pour payer les tickets de votre artiste en tas là, s'il y a une autre actualité autour de votre artiste là, ça ne vous intéresse pas. C'est le 20 décembre seulement. C'est vrai, je sais que le 20 décembre, vous allez vraiment manifester votre amour à votre artiste. Mais pendant ce temps, pendant que le 20 décembre arrive, actuellement, il est nominé quelque part. Les gens se sont trop moqués de votre artiste. Voilà, c'est quand même une nomination. On va obliger l'artiste à commencer à rafler des trophées. Voilà, parce que nous, ces fans, on va y participer désormais. Donc, je vous dis que c'est vraiment, vraiment lent parce que je ne vous comprends pas. Le 20 décembre, ça va se passer. Je sais qu'actuellement, vous êtes pressé de payer les tickets, mais les tickets seront très bientôt en vente. Très, très bientôt en vente. En fait, Dieu est en train de régler les choses comme ça pour manifester un peu sa gloire. Je vous explique. Est-ce que de Bordeaux aura la capacité de vendre 10 000, 15 000 tickets en moins d'un mois? Parce qu'avec des Bordeaux, c'est toujours une exclusivité. Voilà. Il va le faire, le premier, et puis les autres vont suivre.
En Europe, ça se fait. C'est pas impossible. Si tu es déjà préparé à partir au concert de l'artiste, même si on te dit il reste que 3 jours pour te procurer le ticket, tu vas t'arranger à avoir le ticket de ton artiste. Donc je pense que le nombre de dates, pour ne pas dire le nombre de jours ou bien le nombre de temps pour vous procurer le ticket, ça c'est pas ça le problème. Voilà, vous savez très bien que vous êtes convié à une célébration de 15 ans de carrière de l'artiste, donc vous devez vous aménager au préalable pour acheter ces tickets. Moi, tout ce que je disais pour être un peu plus professionnel, c'est des choses qu'on peut faire en amont. Voilà, c'est-à-dire très vite, tout est bouclé, puis on attend seulement le jour J pour aller fêter avec l'artiste. Mais en même temps, ne prenez pas ça comme un argument parce que je sais que généralement, les fans du Copé de Galé aiment bien les arguments pour se dédouaner face à leur engagement. Parce que c'est un engagement, oui. C'est, je pense, bien même une obligation en tant que fan de se déplacer, acheter les tickets de ton artiste et te rendre à son concert. C'est une obligation en tant que fan, en tant que vrai fan, pas en tant que bavard. Donc, je vous rappelle encore que de ne pas vous inquiéter. Bientôt de très bonnes nouvelles. Vous avez déjà vu l'affiche, vous avez vu les sponsors. C'est déjà calé. On ne sait pas ce qui se passe, mais tout se passe bien. Voilà, tout se passe très très bien. Et on a seulement 20 petits jours. Voilà, moi j'ai dit, on a seulement 20 petits jours pour être au moins 10 000, sinon 15 000. Voilà. Moi en tout cas, j'ai de bons retours. J'ai des personnes qui sont prêtes à venir massivement au concert de l'artiste. Donc, ça chauffe pas. Je suis serein. Mais en même temps, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer à voter. Il faut continuer à voter pour l'artiste de Bordeaux et ses petits frères, Ramsès Tikaya et Didier Moasco, dans la catégorie Best Collaboration de Africa Talent, parce qu'actuellement, c'est Inos et Diamond Platnumz dans le remix Yopé qui sont en tête. Voilà, c'est pas impossible de les dépasser. C'est juste une question de volonté et de choix. Voilà, si tu as choisi et tu veux réellement que de Bordeaux remporte ce prix-là, tu sais ce que il te reste à faire. Donc, je vais te mettre le lien en commentaire et je vais épingler. Cliquez sur le lien et allez voter. Allez voter massivement. On ne vote qu'une fois. Donc partagez aussi le lien. C'est très important. Partagez le lien et soyez prêts. Parce que ce 20 décembre, ça va pas connaître. Ciao, ciao.